line up on the left side. Pit road's closed, don't come in. Salut, alors on est en blanc peint sprint series sur le circuit d'Interlagos. Il y a un soft de 3009, donc ça roule très fort. Il y en a un, il m'a dit un message. Please, Seth, please. Et c'est lui qui va se planter en plus. Ça va être ça, je vois, c'est pareil. Donc je reprends, la piste est à 43 degrés, donc c'est là sur Interlagos, c'est juste horrible, franchement. Ça glisse de partout, faut rouler super super doux avec les pneus. J'ai une Ferrari à ma gauche, ça fait bizarre. Il y a Laurent Menso qui est dans la course avec moi derrière, 28ème je crois, ou 27ème, je sais plus, moi je suis 21. 18ème e-rating. Voilà ça, ok. Il y a Stéphane Manac sur le Discord, il y a Jonathan et Jérôme qui sont aussi en blanc peint, mais pas dans le même split que nous. Là, on est dans le top split. Je suis au bout de la chaîne. N'oublie pas de décocher les pneus, Laurent. Enfin, tous même. Oh, faut tout me dire, je t'ai toujours l'avais oublié aussi. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, mais la Porsche, c'est des mauvaises habitudes. Sylvain Morin, pas loin, Calvin. Ouais, mais il est. Ouais, à ma droite, quoi, derrière moi. T'es derrière la voiture jaune, toi? Ouais, jaune et rouge, la dégueulasse. Ouais, bah, je suis devant lui, moi. Ah, t'es à côté de Morin? Bah, non, non. Ah, t'as encore une voiture devant, ouais. Car. Bon, allez, bonne course, les gars. Ouais. Safe. Ouais. J'ai envie de dire dans le chat, salut Sylvain. Oui, c'est vrai, il y a eu altercation. Allez, focus. Concentration. Going green. Green, green, green. Encore des départs volés, ça m'énerve ça. You're on the left, three wide. Hold that line, right side. Two wide, slow car ahead. Still left. Clear. Car on the right. Still left. Hold your line. Clear on the right. Car on the right. On fait devant, ça part en lag. Clear on the right. Right side. You're on the left. Three wide. Right side. Two wide. Clear. Je pouvais pas l'éviter devant. Abri de la Chicken Wings, équipe francophone devant. La livrée jaune, la Mercedes. Oh là, il a touché, le Merco. Ah, tout à l'heure, le contact, il y a eu des gros écarts là, et devant ça a freiné très 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 tôt.
J'allais juste freiner, mais c'était un peu trop tard. La voiture est sur des œufs. On a eu que des pistes au-dessus de 40 degrés en practice, donc ça va. On n'est pas en mode découverte. Ce gauche là, c'est impressionnant, il n'y a même pas besoin de braquer le volant, tellement que l'arrière enroule. Abril devant, qui est un très bon pilote. J'ai des bons souvenirs de lui en Porsche Cup. Quatorzième pour l'instant, partie 21. Remonte sur un petit groupe devant, ça va faire bouchon je pense. Derrière, Lars Reinke qui remonte. Voilà cette course, j'ai juste envie de la finir. De toute façon, quand j'ai vu la température, je savais d'avance que je n'allais pas faire des exploits. On va me faire décrocher du wagon, les.
Et comme d'hab, c'est la Mercedes Cup en blanc peint. Vraiment tant qu'il Racing revoit la bop là. Qui est à l'attaque devant. Là on va perdre énormément de temps, ça c'est clair et net, derrière ça va remonter à une vitesse. Oh là là. Le temps, voilà, là c'est déjà derrière, ça c'était sûr et certain. Oh, attention! Ah, je prends un x4 alors que je l'ai mis de ressenti, quoi. C'est énervant, ça. La gestion des cartes contact. Putain, Arthur, il m'a à peine frôlé l'arrière et je prends un x4 quoi, c'est n'importe quoi. Vais ce qu'il me fait, vais ce qu'il me fait. Voilà, plus de course. Bizarre, tu regarderas le replay sans replay, Laurent. Ce qu'il y a, c'est qu'il est déjà tout cabossé, donc il s'en bat les couilles, voilà.
Ouais, mais regarde son replay en caméra embarquée, tu verras. Il fait exprès. J'ai l'impression que devant, Dani, il force énormément sur ses pneus. Ça, il va peut-être le payer en fin de course parce que vu la température de piste là. T'as regardé, non? Ouais, ouais. T'as vu quand il arrive dans l'herbe, il accélère. Proteste si besoin. Ah mais là je reporte dessus, le mec il traverse la piste pour me niquer. Très bien qu'il est en glisse devant là dans le gauche. Il force pas mal je pense. Il faut être très doux sur les entrées de virage. Vous allez voir là dans le dans ce gauche, dans ce droit pardon, il va forcer beaucoup à l'intérieur. Vous avez vu, hop. Qui roule vraiment bien devant là. Il est 11e, je suis 13e. Encore 12 tours d'essence. Thank you.
Derrière, ça remonte. Ça pique derrière. Nico qui s'est un peu loupé ce tour-ci, je crois. Du coup, il est menacé par Danny. Combien de fuel tu mettais, Jérôme? Je sais plus te dire là. Merde. Là, il me dit qu'il me reste 9,4 tours à faire, qu'il faut mettre 12 litres. Là, je suis rentré 13 litres.
Alors pourquoi je suis rentré plus tôt? Tout simplement parce que devant je vois que ça ralentissait. En plus j'avais pas trop envie de me battre avec Nico. On sait jamais avec ce genre de piste, j'avais peur de le toucher et qu'il fasse une erreur. J'ai l'impression de rouler sur une piste mouillée, c'est hallucinant. J'arrive pile au moment de la course où la voiture, mais c'est un vélo quoi. Ça est trop facile. Ah mais elle est pas difficile, c'est juste que c'est ça glisse énormément quoi. Oh, il s'est loupé Nico là je crois parce que... Ouais il s'est sorti. Dommage pour Nico qui roulait vraiment bien. Ouais, c'est impressionnant, j'ai l'impression vraiment de rouler sur l'eau.
Non, le off-track, ouais, putain. J'étais distrait avec le chat en haut. Il suffit de rien pour détourner le regard. Déjà un 9 incident pour un off-track là à l'instant, deux cars contact, dans le deuxième où je suis absolument pas responsable. Le premier, bon, c'est le départ, je pouvais pas faire grand chose. Oh, ça peut aller vite. Alors déjà que la piste est très glissante, donc le train avant est très très flou. Et en plus j'ai fait un setup où j'ai très peu de chasse à l'avant pour être vraiment à l'aise dans les grandes courbes là. Et du coup c'est vrai que le train avant il semble sur un nuage. L'ami qui sort des stands. On va ressortir devant. On va voir si j'arrive à remonter sur Dani. Faut pas oublier Lars aussi derrière. Toujours à 2 secondes 5 qui se maintient. Je pense que si je remonte sur Dani et que je peux le doubler, ce sera vraiment dans le dernier virage. Pas le dernier virage, pardon, le dernier tour plutôt. Peut-être le dernier virage, on verra bien. C'est le genre de mec, j'ai pas l'impression qu'il faut tenter quelque chose avant. Devant, ils n'ont pas encore pité.
Donc là il va perdre un peu de temps sur un pilote plus lent. Loupé là le dernier, j'ai un peu d'aspiration. Là, devant il rentre, clairement ce qu'il faut faire c'est être très patient. Je veux pas le remonter d'un coup. Il va falloir grappiller dixième par dixième si je peux bien sûr. Qui va sortir des stands, Yannick Mullmann. Je suis parti devant, c'est bon. Donc c'est clairement une autre menace, Yannick, il est rapide. 8ème e-rating là. Il y va, je vais laisser passer. Fait craquer au pit quoi. Je pense que Yannick va vite se débarrasser de Dani. Je vais peut-être pouvoir en profiter en espérant qu'il n'y ait pas d'accident. Et surtout faut pas perdre de temps. Bien surveiller derrière Lars qui est encore repris là, parce que ça a ralenti. Allez, ça va être l'attaque, on va perdre du temps. Ouais, voilà.
Le mec qui s'est fait une grosse frayeur là à la sortie. Oh, il a failli me toucher. On doit être dans l'avant-dernier tour, ouais, c'est même sûr. Donc là, je vais attaquer un peu quand même. J'ai pas envie qu'il y ait des gros passes. Il y a un peu juste, je trouve, Yannick, sur ses freinages. Dernier tour. Bon, Dani, c'est mort. Faut que je m'occupe de Yannick. Je loupe un peu là. Car on the left. Keep to the right. Keep to the right. Ah, il va pouvoir y aller, je pense. Still left. Ah, le coup de portière pour me doubler. Un peu moyen, mais bon. Belle bagarre quand même. There's the check of flag. We'll get him next time. Calvin, tu m'entends par hasard? Ouais, je t'entends. Est-ce que t'es encore dans ton tour de après l'arrivée? Ouais. Ouais. Ça t'embête de venir me pousser? Il me reste la dernière côte à faire, je suis en panne, j'aimerais bien passer à une arrivée. Ouais, j'arrive. Le mec, je l'ai fait craquer au stand, quoi. Non. Oh bon. Je vais vous mettre la vidéo sur, sur Facebook. Lolo, il est fait craquer sur la piste, lui. T'as mis la vidéo, là? Ouais, c'est écœurant, ça. De toute façon, je relance. T'as fait le... Tu as fait un tour en porte. Je vais record. Ah.
restais sur toi au départ parce que comme t'étais les derniers, j'ai dit je vais pouvoir voir tout ce qui se passe devant. Tu le voyais derrière faire ou pas? Tu gères Calvin, merci. Ah oui, mais je t'ai dit on fait cockpit. Par contre je suis à 13 incidents, j'ai peur de me faire 10K. On fait cockpit dans sa voiture, donc Lodi tu verras. Il se met sur le côté, à un moment il commence à arriver au bout du frein pour tourner, pour prendre le virage gauche. Il va dans l'herbe, il accélère au même moment. Il va te prendre sur le côté, c'est calculé. Je crois que ça compte pas les incidents pour toi. Ça a l'air de rester à 1 pour toi. T'as Calvin qui fait du dépannage. Quelle misère, la première fois que je fais ça, désolé. Bon, du coup, je suis une deux, moi. JRP, il m'a joué des tours. Bien. Dis-lui, ça lui sert à rien de passer le tour, hein, il perdra pas de place. Hein. Ah, Nico, tu perdras pas de place, je pense, si tu décolles là. Hein. C'est moi qui suis derrière lui et j'ai un tour en moins de lui, dis-lui. Ouais, parce que c'est Laurent de chez nous qui est derrière toi et il est stoppé là. Bon, ben comme tu veux, sinon je sors là. Ah, c'est toi Laurent? C'est bon, c'est cool. Calme. Pas de soucis. C'est moi pour. T'as bien roulé, dommage pour les stands et t'as fait une petite erreur je pense après là. Ouais j'ai fait une erreur dans le tour de sortie des stands et en plus je me suis arrêté un demi-mètre trop loin en pit. Ah ouais, ça c'est con. J'ai déconné quoi. Là, c'est que c'est un mec, je crois qu'il est sorti au début. Et il revient et. Le wagon à cause de lui.